Ben, merci, merci. Hein. Votre association, c'est... Alors, le nom du collectif, c'est Braise Skeps. Voilà. Alors, un petit mélange de breton et d'anglais. Braise, donc breton, et Skeps, paysage. Donc, nous sommes des photographes de paysage. Nous sommes au nombre de 6. Voilà, donc Mathieu Riverain, qui est de Plouzanet, Fabrice Leborgne, qui est de Châteaulin, Renan Follic, qui est, lui, de Plouinec. On a Charles Marion, qui, lui, est de la région nantaise. Nicolas Le Diluit, qui est de Pontivy. Et oui. Moi qui viens de Brocéliande, voilà, dans le parti Morbihan, voilà, Concorde très précisément. Donc chacun sa spécificité. Alors on peut dire qu'on est tous les 6 photographes de paysage. Charles Marion est un peu plus orienté, lui, sur de la photographie maritime. Hein, donc il fait beaucoup de régates, de manifestations maritimes. Il fait également du paysage, mais beaucoup moins que les 5 autres qui, eux, vont vraiment avoir une dynamique paysage très, très marquée. Voilà. Donc on a chacun, je vais dire, un style artistique qui fait qu'on reconnaît assez facilement les images de Mathieu ou les images de Fabrice, de par leur situation géographique, mais de par leur composition et leur style également, qui est assez marqué. Donc le fait de vous regrouper, ça vous amène quoi exactement ? Eh bien ça donne une sorte de dynamique qu'on a tendance à perdre quelquefois quand on fait de la photographie tout seul. Pour ce que Mathieu confirmera. Ça nous permet d'échanger, ça nous permet d'avancer de façon plus intelligente. On peut progresser également très facilement en échangeant tous les 6. Ça nous fait sortir de cette fâcheuse habitude qu'ont certains photographes de paysage à être souvent en solitaire pour faire leurs images. Donc voilà, il y a une dynamique et une sorte de puissance de savoir et... Un enrichissement, global, effectivement. Ça permet des sorties entre copains ? Aussi, de temps en temps, même si les sorties restent rares, où on va retrouver tous les membres du collectif, mais on arrive à faire quoi, 3-4 sorties dans l'année, hein, qui nous permettent de se retrouver, et puis voilà, de pouvoir anticiper de prochaines sorties, des idées, sur beaucoup de sujets, voilà, divers et variés, donc c'est assez motivant. Donc amateur et professionnel à la fois. Alors il y a une partie d'amateur, sur les 6 photographes, il y en a 2 qui sont professionnels. Charles Marion, donc photographe de mer, qui fait également de la photographie dite plus alimentaire, à savoir l'entreprise, des photographies purement professionnelles. Hein, et puis moi qui suis photographe donc de paysage sur le pays de Brocéliande, voilà où j'édite mon travail. Donc là, 2 jours avec Clic-Clap. 2 jours avec Clic-Clap, ouais. Ils nous ont gentiment invités l'année dernière, quand on était présents sur le festival de Plomelin. On les a rencontrés et ils nous ont gentiment proposé de venir être invités d'honneur cette année sur Clic-Clap. Voilà, avec plaisir. Eh bien, bonne continuation. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Laissez-moi finir, merde. Oui, bah, oui. Bon, ouais, mais collé là. Reste calme, Jacques. Tape pas sur ton collègue. Plutôt que de le mettre dans le sens comme ça, tu le mets comme ça. Dans le sens, oui. T'as la bulle dans le sens, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais il faut choisir au préalable le format paysage ou portrait. Le papier, il est comme ça. La colle est de ce côté-là. Comment tu fais pour coller ton machin dans l'autre sens? Il est con. Là, tu fais 1, 2, 3, mais c'est... Non, mais tu fais... Tu le tournes. Oh, putain. Non, mais tu peux le tourner, il sera... Mais, tu prends ton truc... Tu... Oh, non, des dios. Tu prends ta feuille, tu la mets comme ça ou que tu la mettes comme ça. Voilà ma feuille de mon plastique. Vous êtes d'accord avec moi? Roule-le. Non, mais il est roulé dans ce sens-là. T'es d'accord avec moi? Roule le joint. La colle est là. Comment je fais pour le mettre? Alors, explique-moi. Donc la colle est là. Oui. Donc... Et c'est enroulé comme ça. D'accord? Non, dans l'autre sens. Tu veux... Oui, évidemment, il tourne dans l'autre sens. Non, mais... T'as un crayon, marque le côté avec la colle. Et l'avantage que j'ai... Écoute-moi, l'avantage que j'ai par rapport à toi, moi je sais que je suis con. Ah, c'est ça mon problème. Reste calme, Jacques. Tape pas sur la tête. Il y avait des dits, mais il faut plus que pour un verre de l'amitié avec les photographes présents et le club Click Clap. Moi ça fait pas, pour moi je trouve pas, hein. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Michel Duvoir. J'ai eu la délicate tâche de remplacer, je ne sais pas où il est, Jacques. On a fait une exposition un petit peu exceptionnelle parce qu'on a 574 entrées. Ouais. Donc on a un petit peu explosé les scores de l'année dernière. Je voudrais que vous les applaudissiez parce que l'organisation, c'est eux. Voilà.
Donc c'était Jean-Yves, le maître de cérémonie. Voilà, allez, je lui passe la parole, il va tout vous dire. Alors je vais essayer, on dit habituellement que je suis bavard, voire très bavard, donc je vais essayer de lire le petit discours d'introduction en moins de 5 minutes. Donc, le printemps Click Lab 2016 est mort, vive le printemps 2017 et merci à tous. Alors on va commencer par la palme. Le printemps d'or, hein, et le cadeau donc pour ce classement sera remis par la mairie, le maire de Saint-Évarzec. La photo va vous être montrée par celui le plus grand de notre bande, le plus beau. Voilà donc le gagnant du palmarès du printemps d'or. Bravo. Moelle pour la photo 291. Bravo à lui. Avec tous les compliments de la commune de Saint-Évarzec. Nous avons l'honneur de vous remettre ce bon d'achat de 50 euros au magasin Ambiance et Cadre de Quimper. Ne partez pas si vite, hein, puisque le vainqueur donc de cette exposition. On a le privilège également de vous offrir un repas pour deux personnes à l'hôtel-restaurant de la Pointe de Cap-Cose. Cette photo a été prise donc à l'Octudie. C'est l'Octurie, un bateau d'Octurie qui rentre, c'est le Phoenix hein, de l'Octudie qui est rentré au port. Et donc j'ai prise au bout du quai quand il est rentré. Bravo encore à Eric. Monsieur Robert a peut-être un mot à ajouter. Avec plaisir. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Bon, une fois de plus, évidemment, je suis ravi de participer à cette remise de prix qui donc, clôture ces deux journées d'exposition. L'exposition qui, comme les années précédentes, a connu encore un très fort succès parce que, si j'ai bien entendu, c'est près de 600 visiteurs qui sont venus, de nombreux exposants et puis des parrains également qui auront accepté de venir pour cette expo 2016 avec des superbes photos également, des photos de qualité à l'extérieur et puis surtout à l'intérieur, hein, comme d'habitude évidemment, une exposition donc très très haut niveau par rapport à la qualité. Je pense que les professionnels qui sont là ben, peuvent en témoigner. Et puis on a aussi un public de connaisseurs quand même, hein, parce que quand on a vu le classement, la photo qui a été classée première, par les visiteurs et qui a également eu le meilleur classement par les professionnels. Donc ça veut dire qu'on a eu quand même un public de connaisseurs également. Mais c'est vrai que dans le public, il y a beaucoup de photographes amateurs. Et je tenais à les féliciter tous, bien sûr. Vous dire qu'on est bien sûr satisfait, nous, municipalité, de cette animation qui a trouvé toute sa place dans le calendrier des manifestations de la commune hein, chaque année. Bravo, ça marque un peu le début de la saison des grosses manifestations de la commune. Bon, il y a eu la semaine du vélo avant, puis là aujourd'hui c'est la culture qui prend toute sa dimension à travers cette exposition. Et c'est tout au long de l'année qu'on vous voit à travers nos différentes animations et manifestations où vous faites donc différents reportages. Et pour la commune c'est très important, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent aujourd'hui, se féliciter d'avoir une vidéothèque sur les événements de la commune comme celle dont dispose la commune de Saint-Évarzec. Et ça, c'est grâce à vous. Et pour ça, donc, bravo à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous, bien sûr, à l'année prochaine. Merci beaucoup. I like it.
like it.